Ok, on va y aller. Bonsoir Papa Wemba, la grande famille musicale congolaise vient de perdre un de ses grands noms. King Kester est mené à ne plus. Comment avez-vous appris la nouvelle et que ressentez-vous? En ce temps précis, je crois que le drapeau de la musique congolaise est en berne. Plus précisément, celui du village Moloka et Vive la Musica. En fait, la mort, c'est juste une séparation avec le sien, quoi. La seule chose qui me fortifie, parce que l'homme, dans sa vie active, il n'a pas failli. Il a été à l'école. Il a trouvé du travail. Il s'est dit qu'il n'allait pas vivre seul. Il s'est marié. Il a eu deux enfants. Et même des petits-enfants. Musicalement, cet illustre disparu a laissé un héritage grandiose. Quand il est venu nous rejoindre dans Viva la Musica, c'était juste pour l'espace d'une chanson. Mais quand il est arrivé, il est tombé amoureux. Il est assis. Et il s'est imposé. Il a imposé son charme. Il a imposé sa façon de chanter. Il a imposé son écriture. Il a imposé sa musique qu'il a eue dans Viva la Musica. Et comment se fait votre première rencontre avec Emenea? Parce que là, vous nous parlez de ce que vous gardez de lui. Il a évolué au sein de votre groupe Viva la Musica. C'est un ami à moi qui habitait Lubumbashi, la deuxième ville de la RD Congo, qui l'a repéré dans un groupe de musiciens étudiants du campus à Lubumbashi. Et c'est par la suite que lui, il a invité de venir avec lui à Kinshasa pour juste l'espace d'une chanson. Et c'est là qu'il était tombé amoureux de Viva la Musica. Et du coup, c'est parti votre amitié avec Emenea. Alors, on va parler aussi de ce rapprochement qu'on fait entre la disparition de Emenea et celle de Taboulet. Ça s'est fait en l'espace de quelques mois. Alors, quel rapprochement vous faites de ces deux disparitions? En fait, je n'ai pas à juger, moi. Je n'ai pas à faire de... Je n'ai pas à pronostiquer, quoi. C'est un passage obligé. La mort, c'est un passage obligé pour nous tous. Dieu seul qui détient tout ça en lui. Nous, nous sommes faibles devant tout ça. Parce que chacun de nous a son heure, a sa date, a son jour, a son mois, a son année. Et je sais que ce soit mon mentor Taboulé, ou alors que ce soit qui est terminé, hein, tous les deux, ils étaient des chantres de l'Éternel. À ce moment précis, ils sont aux côtés de Dieu. Leurs couverts sont juste à côté de Dieu, le Père. Parce que c'était des anges adorables. Et vous avez une production tout à l'heure au Salon Congo. Dans quel état d'esprit allez-vous réaliser ce concert de ce soir? Je suis arrivé avec... avec une faiblesse dans mon corps comme ça, parce que je ne sais pas quoi faire. C'est un contrat qui a été signé et je viens de parler avec mon staff pour leur dire que voilà, comme il y aura deux sets, le premier set, je vais garder ça pour tous les invités et le deuxième set, je vais uniquement interpréter les chansons du défunt, King Kester Emenea. C'est comme ça que je dois, moi, aborder et terminer aussi cette soirée d'aujourd'hui qui les amoureux fêtent à Saint-Valentin. Merci, Papa Wemba.